Yeah.
Shabbosi Shabbat Shalom.
Se demande la base comment, on vit comment. Je m'en vais là aujourd'hui vous parler un peu comment on peut vivre dans le royaume. Le royaume de Dieu, on n'a plus des amis. On n'a plus besoin de vêtements. Et on n'a plus besoin de véhicules. On n'a plus besoin de la culture. On vit. Les anges ne connaissent pas de commérage. On vit. Un amour charnel. On vit. Et lorsque Dieu veut t'envoyer quelque part, tu n'as pas besoin des problèmes de la locomotive. Le bras que vous avez là, le bras, vos bras là, lorsque vous quittez cette terre, le bras devient les ailes, comme l'aile de l'avion. Vous pouvez aller partout, n'importe où, à la seconde. Et ce qui nous empêche de connaître, c'est l'histoire que nous avons rencontrée ici-bas. Bah.
C'est les richesses que nous avons rencontrées ici-bas. C'est l'amour sexuel que nous avons rencontré. Et c'est ça qui a empêché une grande partie des personnes qui suivaient Moïse. Ils n'ont pas trouvé le royaume. Lorsque Moïse est parti à la recherche des 10 commandements, le diable est resté séduire tout le monde en erreur. Mais lorsqu'il revient, il n'est pas sévère, il ne condamne pas rapidement. Il dit, qui est pour Dieu passe de ce côté. Je vous assure sur tout le monde, passez du côté où vous indiquez. Il n'aurait pas eu aucune panique. Mais la désobéissance de l'impurité n'a pas permis aux gens de passer du côté où Moïse aurait bien voulu. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup ne veulent pas monter au bureau du miel. C'est l'impurité qui empêche les autres. C'est le péché qui envahit plusieurs. Mais Dieu a su faire. S'il ne m'avait pas accordé que le simple eau d'après vous, vous n'auriez pas appréhendé la capacité de Dieu. L'eau. Je ne sais pas là où vous puisez vos eaux. Mais il est là devant. Il fait de merveille. Regardez quand vous voyagez souvent. Même dans le cas, il y aura des gens qui vont se gêner, crier même. Vous allez croire que vous avez fait mal à quelqu'un. Et les gens vont crier, crier à haute voix. Et là, ça vous fera rire, alors qu'on est en train de le penser. Tout ça, c'est Dieu qui veut. Vous allez voir dans vos quartiers des gens qui vont rendre visite nocturne. Et une nuit, Dieu va bien te donner la chance de l'attraper, la tabasser. Demain, regarde la personne comment il est. Et dans la semaine, et dans le mois, vois même s'il va vivre. Mais tu n'as rien fait. Tu étais dans ton sommeil, d'après toi, c'est normal. Les malades, les hommes en auraient des peines. Quand nous refusons ce genre d'amour que Dieu a accordé à nous, nous voudrons lequel? Lequel serait plus meilleur? Vous le savez, je vous demandais. Comme un père avec ses sœurs, un père avec ses amis. Dites-moi la qualité d'homme que Dieu va vous envoyer. Si bien que quand vous allez le voir, vous sauriez que c'est la qualité que nous avons offrir là-dedans. C'est ce que nous avons voulu.
Alors je vous avais demandé, dites-moi quelle qualité, je vais vous aider à démarcher aussi. Je pourrais bien vous aider afin que vous trouviez la qualité d'homme dont vous avez besoin. Les hommes d'amour et de paix. Voilà une goutte d'eau qui vous fait des merveilles. Et quand vous avez les autres, n'aiment même pas vous rencontrer un chemin. Quand vous avez les autres, ne peuvent même pas vous visiter. Et vous ne vous posez pas des questions que, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle ne veut plus me rendre visite? Il ne veut plus. S'il va se rencontrer avec toi, il te demandera d'abandonner l'eau que tu as. Tu dois abandonner. L'eau là n'est pas bon. L'eau là n'est pas bon. Mais le Père Souffre qui bénit est un démon. Il n'y a pas d'eau. C'est un démon. Il n'y en a pas d'autre. Il est mauvais. Il est dangereux. Au quartier, tu dis à quelqu'un, allons à la montagne, chez l'homme qui fait le miracle. Pour d'autres, personne ne peut être faiseur de miracles. Alors, partout où vous passez, partout dans votre vie, dans la société, dans la famille, vous allez connaître tous ceux qui sont mauvaises sans chercher, à partir de cette eau. Vous allez les connaître sans chercher. Quand vous utilisez, vous passez à côté d'une autre personne, c'est la flamme qui sort de vous. Elle est pincée. Je vous donne une raconte. Il y a de cela à peu près 2 semaines et demie. J'ai rencontré un malade de Douala qui est venu me rendre visite. Au moment où on se séparait, je lui ai donné une bénédiction. Il arrive en van. Il voit des jeunes garçons qui s'amènent devant lui. Il dit, mon frère, si tu vas voir, il y a un car qui est chargé, prêt, il reste une seule personne. Bon, il se regarde et dit, je n'ai rien que ceux-ci, même s'ils sont des bandits, je n'ai rien qui va prendre sur moi. Il s'amène avec eux. Il est conduit dans le cas de Félicité. Dans le cas de Félicité, il entre. Il y a un homme qui est assis. On attend qu'il bougez un peu pour que ce passager ait aussi une place. Pendant qu'on l'attendait bouger, il pousse un cri d'alarme. Tout le passager a tremblé et lui regardait et il l'a cogné le fond à terre. Ouais, ça n'en est pas. Ça n'en est pas. Il veut ouvrir les yeux comme ça et ça tombe sur le galère. Il dit, je fois.
Il dit non. Si je dis qu'on le sort dans le cas, on dit on le sort dans le cas, si je dis qu'on le sort, nous allons passer toute la journée ici pour attendre le notre passage. On lui demande, papa, pourquoi tu as crié comme ça? Il dit non. L'homme là, quand il est entré dans la voiture, une force est quittée dans lui et pénétrée dans moi. Il a crié. Alors, mon fils a demandé, est-ce que je t'ai touché? Il dit, non, tu ne m'as pas touché. Il dit, mais pourquoi tu cries? Il dit, non, on ne m'a pas touché. Alors, et tout ça, c'est des choses répétées. Souvent, quand vous voyagez, vous la connaissez. Les hommes d'amour et les pères. Nous devons savoir que Dieu est un Dieu bon. Et il a mis à notre service ce qui n'est pas comptable ni de personne. Même si vous avez vos familles, votre père, votre frère, qui est rose chrétien, qui est franc-maçonnerie, qui est bouddhisme, qui est n'importe quoi, vous allez le maîtriser avec cet eau. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'est pas simplement bon d'ovationner. Il est bon d'exercer pour voir si c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Comme vous, vous ovationnez là, ça, ce n'est rien. Va vivre les fêtes. Et tu viendras dire à d'autres sœurs, d'autres frères, pour que chacun et chacune connaisse l'efficacité. Ne vivez plus comme si vous avez peur. Laissez la peur. Si quelque chose aurait pu vous arriver, on ne serait pas encore ici. C'est depuis même là-bas en haut. Je l'ai dit et je répéterai. Malgré à ceux qui ne connaissent pas, la prophétie est là et continuera à exister. Mais ne croyez pas que la prophétie existera toujours parmi vous. Vous devez tenir. Dieu a aimé Israël et fait sortir Jésus-Christ en Israël. Dieu a aimé l'Islamique, a fait apparaître le prophète Mohamed. Aujourd'hui, il a aimé vous, les Africains. Il a fait sortir le verso dans l'Afrique. Si on vous posait des questions, quel bénéfice vous avez? Donc, chacun avant de vous décourager, il connaît comment est son intérieur. Permettez-moi de vous dire que les prêtres qui parlent de verso fou, s'il y a 100 prêtres, verso fou au moins 80%, c'est ceux qui l'aiment.
C'est une minorité qui ne connaît pas la valeur de Christ. Et vous n'allez pas tomber derrière que. C'est comme ça. Même le français, soit le prêtre français, ne peut pas aimer le père souffre. Car il faut maintenir l'avance qu'ils en avaient eu. Ils ont appelé le nom de Christ, le nom de Christ pour s'enrichir et bien s'enrichir. Et on viendra aujourd'hui leur dire que Christ n'est plus pour eux. Non, ce qu'il faut prendre des armes. C'est ce que vous ignorez. Chacun lutte pour maintenir. Chacun lutte pour maintenir. Mais je vois avant tout à l'heure, quand vous priez, quand vous chantez, les autres sont assis comme ça, comme s'ils ne peuvent pas se lever. Alors que si vous saviez, ça c'est un camp auquel chacun doit faire des mouvements. Des mouvements. Pour être en joie, pour que l'Esprit de Dieu te pénètre sans que tu ne connais le moment. Et tu le sauras par les problèmes que tu as. Le problème que tu rencontres. Je n'ai pas une machine pour vous écraser avant de vous rebâtir. Mais la parole vivante, la parole de Dieu qui pénètre un corps ouverte, permet à l'homme de connaître ce qu'il ne pouvait jamais savoir et la vie change. Je vis un homme qui me dit Père, avant j'avais de l'argent, mais les amis m'entraînaient et on partait à la recherche de femmes et on faisait la concurrence. Père, je ne t'avais pas connu avant. Je suis devenu mien alors que j'en avais. Moi, je croyais que c'est ça qui était en vogue. Que si un homme ne cherchait pas une femme, il n'est pas un homme. Pendant que je vous ai connu, j'ai compris que c'était la ruine. Il le dit, il m'a connu plus tard. Plus tard. Combien aussi parmi vous peuvent être à la même position que ce monsieur? Combien de femmes parmi vous peuvent être encore à leur vieille nature? Tout ce que Dieu nous demande, c'est de changer la nature que nous avons hier. Pour avoir une nouvelle nature d'aujourd'hui. Et nous donnerons sur quoi donner est facile. Je vous ai dit, Dieu est grand. Laissez de parler de vos maladies. Laisse-nous cela et mettez votre cœur en Dieu qui guérit. Laissez-nous cela et le mot que le diable vous a donné pour vous capturer, la maladie de poche. Il n'y a pas de maladie de poche. Comptant
Contente-toi si tu as eu ton pain de ce jour. C'est ça qui correspond à la parole de Dieu. Si tu as eu ton pain de ce jour, le pain de ce jour, si en dormant aujourd'hui, tu as mangé, tu es rassasié, si les enfants sont rassasiés, alors le diable vous a mis le mot de maladie de poche. Tout ça se vous emballer. Se vous emballer. Laissez tout cela et mettre votre confiance en Dieu. Il vous ordonnera, même sur quoi. Et on dit à toi, qui est le mien. Et on dit à vous, toi, qui est le mien, tu m'en es le mien. Veuillez opérer à René Pignaleta, René Pignaleta, Tatum Tunam, 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 Chucha, bien bon pour chier par Chucha, yao mignard. Chucha, ma mignard, mais il va te mon mignard. On va te dire, madame, voilà. On a un bon amour. Bien, on dit, madame, crâne. Et comme moi, et vous dites, le Père souffrant ne veut pas le futur. Moi, je donne une sens propre sur vos futurs. La manière auquel vous pouvez opter le futur, c'est normal. Parce que si vous vous appréhendez mal, cela va vous dévier et vous ne serez plus sur le chemin de salut. Vous savez mon objectif? C'est de vous revoir un jour dans le royaume de notre Père. Voilà mon objectif. Mon objectif n'est pas simplement d'enlever la maladie dans vous et pour que vous irez vivre en enfer. Non. Quand un agriculteur va sacrer le champ, c'est pour récolter le meilleur fruit. Et d'autres vont au grenier. Pendant qu'il se nourrit avec les autres. Mais s'il voit que les herbes ont envahi tout. Ils ne doivent pas se peigner même pour sacrer. Mais au Tarian, je vais son bureau comme ça. Donc, oui, là, oui. Ah, quand on peut tout croire, on a petit dame, on a petit tabac, on a petit gomme. On a petit gomme. D'un pied d'eau, de rouiller moi de talent, au pont de Tony de Sibawa. Bien, il a dans mon bas droit, il a l'eau, je suis digne de ma Dieu. Bien, d'un je vois maman. Au moins, nous sommes, je vais aller voir le bon choix. Moi, je suis pas fait de nous, fait de chat. Au moins, pour ne pas vous dire, tu es pour nous. Bon,
我不知道你那个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 
quand vous voyagez, faut être en possession de votre bonheur. Là où vous en rencontrez des problèmes difficiles, il faut directement utiliser votre bonheur. Je l'ai souvent dit et j'en dirai, même si vous avez construit au pays, dans votre village, savoir apporter cette eau dans votre village et dans votre maison et asperger dans la maison. Vous pouvez asperger et dormir sans fermer la porte. Rien ne vous fera. Je ne peux pas cesser d'en féliciter ceux qui ont écouté mon message depuis des années. Ceux-là qui sont partis au village construire des maisons dans tous nos villages, alors qu'ils ne pouvaient pas, je leur donne mes encouragements et continuer à travailler la maison, finir s'il y a possibilité. Et ça va faire honte à vos ennemis. Je dis comme ça particulièrement les gens de Bagantère et le Bafia. Peut aller construire au village, va terrasser avec ton bonheur, mets la maison. Même si les génies sont communs, avant de mettre la maison, nous sommes ensemble. Construis les gens ensemble, juste à ce que tu tombes, tu pars. Les gens vont rester, les sorciers vont rester maintenant se rassembler et dire que merde. Le gars est fort. Il a fait comment pour construire jusqu'à partir. Ne cessez pas de dire que sur le lieu, Seigneur Dieu, Jésus-Christ, Père Soufou, lumière, me voici. Je ne viens attaquer personne. Je veux aussi construire un abri comme tous les hommes à mon âge. Venez nous m'assister. Tu asperges ton bonheur. Pendant que tu construis, tu vas laisser d'autres quelque part là. Même sur une assiette. Même si ça se verse, tant pis. Et tu mets la fondation. Tu vas voir que tu vas construire la maison. Là, même les ennemis vont venir te donner à manger. S'il y a une calabasse de matango, ils vont apporter. Il y a quelque chose qui est arrivé au Cameroun il y a 30 ans. Le 30 ans, c'est le 30 ans où j'ai été célèbre parmi vous. L'âge de ma naissance est l'âge que j'ai d'abord travaillé anonymement afin d'être célèbre il y a 30 ans. C'est comme ça. Nous avons travaillé anonymement pour bien voir comment on va commencer, comment on va débuter, comment serait. Et là, nous l'avons fait et nous l'avons vu la manière auquel il faut vous appréhender à la compréhension. Acceptons les 30 ans, c'est aussi beaucoup d'âge. 30 ans que j'ai été célèbre parmi vous, je porterai 30 ans les 6 août prochaines. On va commencer l'année des 30 années. Donc,
faites comme ça. C'est comme le problème des locataires au Cameroun. Vous mettez un locataire dans la maison, il passe un mois, deux mois, tu ne le sors pas de la maison, tu le laisses six mois, un an, après tu portes plainte. Le juge juge des affaires inutiles. Non? Vous ne pouvez pas aider les hommes juridiques. Quand quelqu'un n'a pas payé la maison, il va dehors, 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 dehors. Il t'avait prêté l'argent. Il sort. Les sorties, tu ne dois plus demander ailleurs de le sortir. Tu dois le sortir. Alors, ce qui vous ennuie, c'est la peur. La peur, je ne sais pas, une peur. Peut-être qu'il a enterré les remèdes dans la maison. Mais s'il a enterré le lion à la maison, avec ce taux, vous allez le déterrer. Qui me donnait cette maladie? Et je suis en santé maintenant. Même mon bras que je porte déjà mon seau pour mon accident. Je porte déjà un peu de petits seaux avec l'eau. Et j'ai un conseil à vous demander. Papa, vous me voyez comme ça, je... C'est la vie de mon grand frère qui est mort. Ça fait deux semaines que on m'a téléphoné un dimanche pour m'annoncer la mort de mon grand frère. Je crois que beaucoup de malades ont vu mon grand frère en santé, n'était pas malade. Quand on m'a appelé, je suis arrivée. J'ai trouvé qu'aucun type du village ne s'approchait de la maison. Quand on m'a vu, on dit, ah, la mère de la maison là est venue. Les gens du village ont commencé à venir au dé. Mais on ne nous a pas parlé de quoi est mort de mon frère. J'ai pleuré, pleuré. Après, je demande, il était malade quand on dit 3 jours. 3 jours, il avait quoi? Il avait mal au cœur. Bon, mes nièces cherchaient toujours qu'on l'enterre avant. Je ne comprenais pas. J'ai dit qu'on attend. 2 jours après, j'ai dit, bon, j'ai pris une décision, j'ai enterré mon grand frère. Après cet enterrement, dans la soirée, les gens commencent à raconter comment mon frère est mort par le coup de bâton. Un grand garçon, un fils de la famille, il a tapé son père. Il a giflé 4 fois son père, il a rappelé son père est tombé, le père s'est arrêté. Ce sont eux-mêmes ne m'ont pas dit qui souffre, qu'est-ce que leur père souffrait. Ce sont les gens de quartier, tu pars voir, on m'a dit. Et quand on sort un peu, on raconte seulement que ce sont les enfants de mon frère qui l'ont fait. Et je demande un conseil, père. Qu'est-ce que je ferais en tant que grand-mère? J'ai hérité ma mère, que je suis leur grand-mère, la mère de leurs frères et leurs soeurs. Ils sont tous morts et je suis la seule. Ces enfants-là, que ferais-je avec ces enfants? Comment je me comporterais auprès de ces enfants? Parce que ça me dépasse. Je suis partie avant le 9e jour parce que je voyais que si je reste, on allait causer des gaffes dans la famille. Et je suis partie de là. Et je demande le conseil, comment je me comporterai auprès de ces enfants. Pour les appeler, pour leur s'en faire avec eux. Oui, le tour, on va l'acheter. Elle est tombée fortement. Elle n'était pas là. On m'a seulement téléphoné pour que je vienne la voir. Elle n'a pas eu un choc. Elle est tombée. On l'a amenée à l'infirmerie. On l'a réanimée là-bas et on m'a appelé. Elle parle maintenant. Non. Thank you.
Somewhere.